Allez, et on enchaîne, c'est comme un balai. C'est comme un balai, je balaye les idées. Bon, enfin, je vais pas arrêter parce que quand je fais l'andouille comme ça, mine de rien, ça me pose, parce que oui, je peux être émue de parler tout seul à une caméra, mais maintenant je sais qui est derrière, comme je l'avais dit, je sais que vous êtes là. Donc je voudrais parler. Alors, le surdoué et les dossiers, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Là, je ne vais pas vous montrer, mais derrière, la table, qui n'est même pas un bureau, est remplie de petits tas de papiers. J'ai dû, comme vous, faire des dépenses énormes pour choisir le cahier qui rangerait tous mes dossiers. J'ai aussi fait les frais de... Moi, j'appelle ça la boîte noire, mais c'est disque dur, extérieur. Alors, quelqu'un m'a dit, il ne faut pas dire noir, c'est pas joli, mais enfin, franchement, ça me rend la vie noire. Et pour ranger les dossiers. Donc, on a tous, nous les surdoués, des casiers. Dans les casiers, il y a des cahiers. Dans les cahiers, il y a des feuilles. Dans les feuilles, il y a des compartiments. Il y a des couleurs, il y a des trombones. Il y a des pinces, là, les dernières petites pinces de chez Maison du Monde. 3,50€, j'ai acheté des pinces. Je me suis dit comme ça, une pince dorée, une pince rose, une pince bleue. Alors, le rose, c'est ce que je dois faire. Le bleu, c'est machin. Bon, puis finalement, non, j'ai pris des feuilles de toutes les couleurs. Alors là, j'ai pris jaune, bleu, vert. Jaune, c'est ce que je dois faire. Bleu, c'est le rassemblement. Vert, c'est les projets. Et puis, je me dis, non, ça va pas. Donc après, j'ai pris... on a tous fait ça, non? Et en fait, je pense que pour le surdoué, c'est indispensable qu'il comprenne que c'est simplement l'état... On dit l'état de sa psyché, mais on va dire cerveau parce que c'est plus court. C'est simplement l'état de son cerveau. Mais c'est psyché en réalité. C'est l'état de son cerveau qui n'arrive pas à ranger les dossiers. Alors, j'avais parlé de penser en arborescence. Ça, c'est mes consoeurs et confrères qui utilisent. Moi, j'aime pas trop ça parce que je trouve que ça me parle pas. Donc, j'avais dit, c'est plus imagé. L'état de cerveau, l'état psyché d'un surdoué, c'est passer d'une branche à l'autre comme un singe sans jamais tomber et en retombant toujours sur ses pattes. Eh bien, le rangement dans les casiers, c'est comme si, comment vous voulez ranger des branches quand il y a plusieurs branches, quand il y a plein de ramifications. Eh bien, c'est pareil, une branche, c'est un casier. Sur cette branche, il y a des petites branches et qui sont les feuilles et les couleurs et les machins. De toute façon, on n'y arrivera pas. On n'arrivera pas à ranger des dossiers, mais on essaye, on commence et on recommence. Et puis, il y avait un proverbe que j'avais beaucoup aimé quand j'étais très jeune. C'était « je commence et je recommence ». Le commencement, c'est ce qu'il y a de mieux. Donc, ne vous étonnez pas que je commence et recommence à chaque instant. Et bien, le surdoué, c'est ça. Il va commencer, puis il va recommencer. Puis, ce qu'il aime bien, c'est commencer. Donc, il va acheter des cahiers. Et rose, et bleu, et jaune, et vert, et turquoise, et fuchsia. Et puis, finalement, on remballe tout. On fout tout à la poubelle. Et le lendemain matin, ben, on recommence. Et c'est ça, la vie du surdoué. Et c'est comme ça que notre cerveau, non pas fonctionne, mais c'est état. Voilà, c'est la représentation typique de notre cerveau. Des dossiers pas rangés, voilà. En même temps, moi, je viens de passer 3 jours avec Apple pour ranger mon ordinateur. Oh, les mecs, j'ai cru, ils allaient devenir fous. Hein. C'était un bordel sans nom. Mais bon, ordinateur, c'est pas ma génération, donc j'ai encore une excuse. Mais les dossiers ne seront pas rangés parce que notre cerveau n'a pas cette possibilité de ranger des dossiers. Donc faites appel à des gens, des personnes qui vont vous aider à classer vos dossiers. Et après, vous apercevez que c'est super simple. Voilà, j'avais quelqu'un chez moi qui me rangeait les dossiers. Et je me disais, purée, mais c'est vachement facile pour elle. Elle faisait ça, là, 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 là. Voilà. Et bien moi, je suis désolée, je ne sais pas faire. Quand je veux un truc, il faut que ça se voit. Voilà. J'ai failli écrire sur tous les murs, je me suis à faire des ordres, mais c'est ça. Bon, ça, c'était les dossiers pas rangés, l'état de notre psyché. Voilà, je vous embrasse et puis on passe au sujet suivant. Bisous.